Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici ça va être une réponse pour Marie-Christine, que je remercie d'ailleurs de suivre mes tutos et puis de faire confiance, me demander des petites aides comme ça, par-ci, par-là. Voilà. Là ici, elle veut comment mettre une porte de grange en perspective. Voilà, donc je vais faire une petite rotation pour donner une perspective à la porte de la grange avec Photoshop. Elle a la Photoshop CC 2018. Ben moi j'ai Photoshop 2018. Je sais plus, tiens comme ça. Voilà, une vieille version. Voilà. Je sais plus laquelle que j'ai. CS3, quoi. Je sais plus, ouais, dans ces eaux-là. Bon, enfin bref. Ok. Disons que j'ai pas ce qu'il faut, tout ce qu'il faut comme la CC 2018, hein, c'est sûr. Bon, ici, j'ai ouvert une image, hein, tout simplement ici, hein, comme ça ici. J'ai mis un petit mur ici. Hein, voilà, il est là. Je vais en mettre un autre ici à côté, enfin le dupliquer pour faire une perspective ici. Voilà, donc je vais la mettre ici, hop, comme ça, hop. S'il veut bien venir. Je vais mettre le bord là, voilà. Ok. On va aller sur édition. Disons que moi, j'ai pas ici, il y a transformation perspective, je crois, ou un truc comme ça qui vient se trouver dans cette partie-là. C'est transformation perspective. Enfin, c'est marqué perspective à la fin. Je sais plus quel que c'est. Si je me souviens bien, à l'époque j'ai dû l'utiliser. Je sais plus pourquoi faire. Mais d'expliquer comme ça comment il fonctionne, alors ça va être un peu compliqué. Ok. Donc bah moi j'ai ici transformation manuelle. Pas transformation manuelle, mais ici je vais faire ça avant parce que moi je pourrais pas. Si j'ai mis transformation manuelle. Bah j'allais pas faire avant non plus. Ok. Ici, transformation. Yep. Et ici, j'ai perspective. Bon, elle va bien, mais je sens plus, hein. Vous voyez, on peut faire une perspective ici, vous voyez, sur la longueur ici. Hop, je vais en arrière. Ou alors. Ah oui, d'accord. Il aurait pu me le laisser. Perspective. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça allait vers le bas. Et là, je fais une perspective, mais là, disons que tout est déformé. C'est un peu le petit souci. Donc, j'ai quand même validé. Et puis, ici, là, je vais venir écraser un peu mon image. Voilà, comme ça. Ici pour rattraper un peu mes carreaux et voilà j'ai une perspective voilà, tout simple. Bon, le seul défaut c'est que ça déforme un peu ici c'est pas fameux. Voilà. Donc avec celle-ci c'est tout ce que je peux faire hein. J'ai rien d'autre. Transformation, rotation, inclinaison. Si j'essaye avec les nidons pour voir. Je vais voir quelque chose. Hop. Attends, je cache. Voilà. Édition. Transformation. Yep. Inclinaison, ça va plutôt l'incliner. Disons que ça fait la même chose à part que c'est pas. Avec la perspective, les deux poignées qui montent, qui se déplacent en même temps. Donc le résultat est le même. Donc ça sert à rien. Hein. Édition, transformation, déformation. Voilà, ça va pas le faire. Parce que là, c'est tout. Voilà. Ça, c'est pas bon. Nanana, transformation. Inclinaison, rotation.
Ouais, là je peux pas. Je n'ai rien non plus à faire. Doit bien avoir une autre transformation manuelle, bah c'est tout simplement. Hein, ça change pas grand chose. Bah j'ai rien d'autre, j'ai que ça. Hein. Sur la CC, on a ici transformation, perspective. Hein, qui doit se trouver là. Moi je l'ai pas. Voilà, à part ça, ici, perspective. C'est tout ce que j'ai. Là, on clique, on va vers le bas pour aller en perspective comme ceci. Ou vers le haut pour aller dans l'autre sens. Voilà. Ou alors, si on veut. Une perspective comme ça aussi, voilà, ainsi de suite. Ok, donc j'espère que j'ai répondu à sa question. C'est tout ce que je peux faire avec mon Photoshop que j'ai, le CS3. Voilà, donc voilà, je vois bien. Oh, je sais pas si je vais mettre la CC hein, pour l'utilité que j'utilise, enfin, ouais, pour l'utilité que j'ai avec Photoshop. Hein, ce Photoshop, j'utilise de temps en temps, j'utilise plus GIMP. Hein, dans ces cas-là, voilà, c'est tout ce que je peux faire. Ok, donc merci, et puis à la prochaine, allez, ciao.